when things get out of control. One fucking shot, but you couldn't fucking do that! Give me up and fuck, fuck, fuck. God, God, give me up and fuck, fuck, fuck me up! Bonjour à tous et à toutes, c'est Kidosot 666 pour l'épisode 13 ou 14 de Far Cry 4. D'ailleurs, j'ai vu en terminant l'épisode 12 ou 13, je sais pas, que je vais avoir besoin de faire de la place sur mon disque dur. Ce let's play me prend énormément de place. Et donc, on va faire la mission de Yogi qui est juste à côté. Ou alors, on fait celle d'Amita. Oh merde, j'étais con. Ah, j'étais très con. Parce que là, j'ai pas du tout de point de téléportation de l'autre côté, en fait, de la montagne. Faudrait que je refasse tout le chemin en partant de Shanat. Ça risque de prendre du temps. Bon, on va faire Yogi. Et oui, il faut vraiment que je fasse de la place, parce que alors là... Tiens, viens pour fumer un peu de bronchi. Ah ouais. Tu peux me croire, celui-là, il déchire complètement la tête. Il a un nom, Volcan. Ouais. Tu remarqueras même pas que tu t'es brûlé l'entrejambe avec ça. Hein? Oh, merde! Bon, ça me défonce pas vraiment. Ben, ton corps a quand même dû finir par s'habituer un peu. C'est pas grave. On va rajouter un peu d'ingrédients secrets. Arrêtez de faire ça par surprise, bande de fous. Les psychopathes. Donc là, ça sent la séquence où on va avoir une nouvelle seringue. Wow. Alors, nous revenons à cette seringue et le nom devrait créer une forteresse autour de ton esprit, te rendant vulnérable au stimuli, tu auras notre potentiel. Du coup, je suis invincible, c'est ça? Wow! Au moins, il n'y a pas d'ours dans le coin. Alors, courons. C'est quoi ça? Oh putain! Des facochères en feu! Je prends des feuilles, je risque d'en avoir besoin. On sait très bien que c'est pas eux! Peut-être que j'ai une résistance au feu, je suis en train de me dire. Je sais pas à quoi j'ai une résistance en fait. Mais je pense que c'est au feu vu qu'il y avait que des ennemis. En tout cas, c'est pas aux chutes. Mais je pense que c'est une résistance au feu. En fait, je pensais que l'eau, j'aurais pu plonger, j'ai réagi trop tard et je suis décédé. Je suis décédé, décédé. Oh yeah, pardon. Bah. On
What the fuck? J'avais un AK, maintenant j'ai plus d'AK, tout va bien. Ah, j'ai envie de jouer à Bloodborne là, putain, j'ai des images qui me remontent en tête et tout. Bon, je me casse, hein. Mais non, je suis pas là, vous croyez que je suis là, mais c'est un mythe. Regardez, je vole. Du coup, mon AK, je peux aller me faire foutre, quoi. On est d'accord que j'ai pas d'âme, Si, j'ai une âme, mais j'ai pas d'arme. Allez les gars, dites-moi ce que vous avez à me dire. Je comprends pas ce que je dois faire. Bon, c'est bien ça, ça diminue les dégâts du feu là. Alors là par contre je trouve ça très drôle. Oh, il y a des flammes en l'air, c'est flippant. Là je peux prendre le delta plane, mais il faut savoir... Oups. Oh, c'est trop bien, des ailes qui brûlent. Que normalement la wingsuit me permet de traverser quasiment autant de distance que le delta plane. Fait comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Et jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Non, oubliez-moi. Ouh, ça a pas activé. Non, mais il est con. Tu sautes en arrière comme ça, voilà, on est sûr. J'espère que toutes les fleurs que je... les plantes que je ramasse, elles comptent, hein. Évidemment. Évidemment. On danse encore sur des accords qu'on aimait tant, mais pas comme avant. Alors, excuse-moi mon gars. Non, soigne-toi. C'est pas le con. Encore une quête? Non! Je viens de faire le nom de Fanta. Vous savez, dans les let's play de Fanta, de Fantasio 974, quand il croise un creeper ou l'alien dans son let's play d'alien, qui ferait que je termine un jour d'ailleurs, le let's play, hein, pas le jeu, il a toujours le moment où il flippe et il fait un « NON !» J'aimerais pas le refaire moi, mais... Bon, on est où là? On est là, ok. On fait une mission de Yugi? Non, c'est chiant les missions de Yugi. Ça c'est DLC, on fait pas en fait DLC. Moi je dis DLC, on fera à la fin du jeu quand on aura fini le jeu ou quand j'aurai envie. Mais là, on va découvrir le nouveau monde. À la manière d'un Pocahontas. En fait, je sais pas s'il y a un rapport avec le nouveau monde dans Pocahontas, mais bon, c'est pas... J'avais envie de dire Pocahontas. Ça coûte tellement cher de jeter des trucs ici, sérieux. Bon, c'est quoi comme objet, animaux qu'il me faut là? Ah mais putain, c'est ça que je veux. Je veux des léopards des neiges. Parce que je m'en fous des poissons démons. Je m'en fous. Je sais même pas où est-ce que ça se trouve. Vous pensez qu'il y en a là dans l'eau? On va regarder. Ah bah oui, tiens, on va regarder. Progression. Bon, j'ai pas envie de voir en fait où j'en étais. Pourquoi j'ai fait ça? Je viens bien de me spoiler la gueule, comme j'avais fait la dernière fois. Carte, non, compétence, non plus. C'est quoi que je voulais voir? Ah si, c'est dans compétence, je crois. Mais rien à voir, c'est dans la seringue. Il faut des plantes bleues pour faire des seringues. Il va bien avoir des plantes bleues là-dessous.
Attends, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de plante bleue. Et non. C'est ballot. Bon. On va aller voir Amita. Amita Miti se dit bi sa vie toujours de vêtue. De toute façon, il n'aurait pas pu avoir d'animaux ici, puisque il n'y a pas de quoi les chasser. Mais on va les chasser dans la rivière, vous allez voir. La rivière qui devrait être juste en contrebas, là voilà. Allez. Envole-toi. 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 Dans de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-toi. Il y en a plein là, des feuilles bleues. Du coup, j'ai évité de me noyer. On va aller récupérer le bateau. On va aller shooter au truc qui permet de voir les animaux. Voilà, le truc qui permet de voir les animaux, j'ai dit. Alors c'est R1. Voilà. Il y en a un là. Bon, je sais pas combien j'ai de... de trucs rouges. Hey, il y en a un autre là-bas, non? C'est un poisson là-bas, vous pensez? Ou c'est juste un animal terrestre que je vois de très loin? Non, c'est un poisson. En tout cas, ça meurt vite. Hein. Ça, c'est bien. Parce que... je me disais, autant j'ai beaucoup de fleurs bleues à proximité, autant des fleurs rouges, pas des masses en fait. Et comme j'ai pas prolongé la distance à laquelle on peut les voir, là je vois déjà plus rien. Non mais qu'est-ce qu'il est con. Oh, comme je suis en véhicule, je peux pas. Attends, lâche ça. Je peux en faire une encore. Merde, c'est lequel des deux? C'est lui. Bon. Voilà, pour le poisson démon, il suffisait juste de pas trop s'emmerder. Alors, la rivière, si je la suis, on est d'accord qu'elle m'emmène dans le niveau 2. Dans le niveau 2. N'importe quoi, dans la deuxième zone. Bien, confection... il y a un que je peux créer, j'ai pas l'ours. Il y a lui, je suis sûr que je pourrais le créer derrière. Si j'avais ce qu'il me fallait. Mais j'ai pas. Donc on est reparti. Mais voilà, ça. Ça c'est positif, vous voyez. Il faut positiver. J'y avais pas pensé jusqu'à maintenant, mais je me suis dit, c'est un truc qui doit se trouver dans l'eau. Voilà. Sauf que bah voilà, quand vous les croisez en vous baladant comme ça, vous vous rendez pas compte. Oh merde. Allez, ça passe. Mais bien sûr que ça passe. Oh. Oui, je m'étais... j'avais pas pensé à ça. Allez, on grimpe. Yo. Ça, par contre, suffit juste de grimper. Oh, j'ai réussi à créer un bug.
J'ai peut-être un peu perdu de temps avec mes conneries, mais au moins c'est rigolo. Attendez, à partir de là, je peux aller où? Ah, je peux utiliser le grappin là, hop. Où j'ai même perdu pas mal de temps avec mes conneries. Oh, toi, t'as passé un sale quart d'heure. Enfin, un sale quart d'heure, à mon avis, c'est très rapide une mort comme ça. Wow! Une balle qui m'a frôlé! Du coup, là, il me reste plus que les léopards, je crois, à choper. Hein. Saloperie, parce que ça, faut être dans l'Himalaya. Si t'es pas dans l'Himalaya, tu peux pas les choper. Hein. Je préfère quand même me balader avec le 1911. C'est plus naturel, j'ai envie de dire. Je crois que je vais dans la bonne direction là. Oui. C'est la bonne direction. Putain, je vais tomber du pont. Oh oh oh, non! Ça a pas de puissance ces trucs. Alors on est parti dans les zigzags. Dans les zigzags. Dans les zigzags obscurs, obscurs et sombres. Isabelle s'est cognée contre les murs, le pont est là. Ah bah dis donc, si je commence à développer un hockey débile, moi, on n'est pas rendu. Là, c'était le moment où il y avait l'éboulement, du coup, on voyait plus rien, je reconnais la zone. Tourne plus à droite, s'il te plaît, merci. Bien planqué ça hein. Bon les gars, le pont je l'ai pris tout seul comme un grand. Alors vous faites pas choper. C'est pas compliqué à garder un pont. Au lieu de mettre des mitraillettes et tout, vous mettez des lance-roquettes. Je peux vous... Putain, elles sont résistantes les caisses dans ce pays. Vous mettez des lance-roquettes à l'entrée du pont. Là il y aura pas de camion qui va arriver en fonçant, je vous assure. Ah, vous savez pas à quel point je préfère éternuer que tousser en vidéo. Un éternuement, ça fait du bien, ça dégage. Tousser, ça fait mal. Et en plus, c'est super désagréable parce qu'une fois que vous avez toussé, vous allez pas... Une fois que vous avez toussé, ben, vous pourrez commencer à tousser. Alors que vous avez éternué, vous éternuez soit une fois, deux fois d'affilée, mais après, vous éternuez plus pendant un bout de temps, quoi. Oh, le mec dégaine hyper vite. On fait direct la mission d'Amita, hein. On fait pas de camp ni rien. J'aime beaucoup plus ces décors là, c'est beaucoup plus sec. Amita, je suis dans le nord. Le nord. Je me demande ce que devient Outkarch. Écoute, il y a une cellule du Sentier d'Or là-bas. Des gens bien. Outkarch se trouve au nord du pont. Et ces gens, ils connaissent la région comme leur poche. Ce serait vraiment bien que tu reprennes le contact avec eux. Mais attention, tu as vu la garde royale. Ils sont bien plus redoutables que l'armée normale. Oui, 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 mais ça c'est des théories, ça. Ok, je vais peut-être prendre... Oh, il n'y a pas de clocher, en fait. Moi, on va aller à Outkarch. Sans clocher, c'est pas grave. Là, je sais bien, je sens que je vais me faire agresser d'un moment ou un autre. J'aurais tellement aimé qu'il y ait un mortier de transport. Putain, ouais, ils sont balèzes, hein. Les mecs, ils m'ont touché. Oh! Oui, oui, ils sont doués. Ils sont très doués. Là, s'ils me retouchent encore une fois, c'est abusé. Je fais ça pour leur faire peur. Ah merde, c'est mes potes!
Du coup, ils ont eu peur, et du coup, il s'est foutu devant mon quad, il est mort. L'accident bête, quoi. Olé. Oh putain, c'est une sacrée base ici, hein. Faut qu'on la reprenne, j'ai l'impression, non? Ah oui, 4216 mètres, c'est plus haut que... Ah non, c'est bon, c'est déjà nous, en fait. C'est plus haut que tout le reste de l'autre zone, quoi. Enfin, pas tout, mais... Le lieu auquel on avait l'habitude d'aller. Alors, c'est qui les rebelles, ici? Une petite surprise ou pas de surprise? Pas de surprise. Edge, merci de nous avoir réunis avec le Sentier d'Or dans le sud. Tu peux dire à Amitai Sabal qu'on est prêt à se battre. On a choisi des cibles. Que j'ai décidé de venir voir ça. C'est trop mignon. Vous voyez, je voulais vous prévenir. Nous prévenir? Bien sûr. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais on m'a signalé la présence dans les parages de personnes fort peu recommandables. Et j'ai très peur que ces personnes, ces terroristes, eh bien, ils essaient de profiter de votre hospitalité. Ils viennent souiller votre belle réputation. Et on ne voudrait pas que ça vous arrive, n'est-ce pas? Je crois que je viens de reconnaître la voix, en fait. Non. Bien. Vous voulez bien que je vous protège? Que je lave votre réputation? S'il vous plaît. Oui, roi. Vos désirs sont des ordres. Je suis ravi que nous soyons d'accord. Bon, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Ça ne devrait pas être long. Ils vont les buter. Qui ose dire que je délaisse mes sujets? Voilà. Non, ils vont te tuer. Bon, je regarderai plus tard, mais je suis quasiment personne. Non, je regardais tout de suite. On s'en fout. Tac. Watch Dogs. Non, on s'en fout. Alors, Pagan Mine. Bah, c'est Guillaume Orsa. Le doubleur, entre autres, de Vin Diesel, Nathan Fillion dans Castle. Dans les jeux vidéo, il a fait Bowman dans Black Ops, Pagan Mine dans Far Cry 4, Maxis dans Black Ops 2. Il a fait. Voilà, il fait Cole McGrath et Booker dans Infamous et. Amita, j'ai trouvé Pagan! Je lui cours après! AJ, tu peux mettre un terme à tout ça! Je sais! Ça serait trop simple! Oh! Yeah!
Donc, et j'ai quand même réussi à reconnaître la voix de Guillaume Morsa, alors qu'elle est quand même légèrement modifiée, je trouve, par rapport à d'habitude. Mais c'est dans les intonations. Mais ça m'a frappé là sur cette thématique, ça m'avait jamais frappé avant. Mais là, ça m'a clairement frappé, j'ai clairement entendu la voix de Castle. Bon, il faut savoir que moi, Castle, j'ai. Les. Je suis sûr que c'est pas lui, que c'est un double. Il a tué son propre garde. Alors attends, parce que là, je suis un peu perdu. Niveau munitions, elle va me coûter cher cette mission. Ah oui, en fait, il me reste que deux chargeurs, donc on va arrêter les conneries. Oh! Oh! Ça fait mal, bande de malades! Putain, mais elle est blindée sa bagnole ou quoi? Ministère des Affaires Publiques! Je le maîtrise hein, le gyrocoptère. J'ai bientôt plus de balles. Oh putain, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Faudrait que j'arrive à me caler à côté de lui. Et si je jette une grenade devant lui, il s'en sortira pas. Mais je l'ai eu là avec la grenade, c'est obligé. Je me suis tué moi-même avec ma grenade. Oh le boulet. C'est reparti. Bah accroche-toi là. Hey, je suis au truc des affaires étrangères. Merde. Du coup ça recommence pas au début en fait. Je vais attendre à la planque, je sais où elle est maintenant. Hey. C'est lui? Attendez, c'est un délire. Bonjour, EJ, je t'ai manqué. Oh, bien sûr que je t'ai manqué. Pagan? Je viens de vous tuer. Non, tu viens de gâcher un sosie quasiment parfait avec une calvitie naissante. T'es obligé. Donc là, j'en ai bloqué les nouvelles armes. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que la triche? La triche, c'est ça. Alors. C'est aberrant. En même temps, ils étaient coincés là. Ils étaient coincés parce que s'ils avaient mis une sorte de mur invisible, ça aurait gueulé.
automatiquement les gens auraient gueulé s'ils avaient mis un mur invisible, ça c'est obligé. Mais quand même quoi. Quand même. Enfin, je veux dire, c'est censé être un truc avec des ennemis qui le protègent et tout. T'arrives. Oh, MP5 gratuit. C'est bien ça. Allez, on va faire une. Le camp de bûcheron. Je vais essayer de monter un peu en hauteur. Voilà. Et là, je me lâche. Et là, wingsuit. Redresse-toi là. Merde, je me fais déjà faire pérer. Oh putain, c'était juste là, je croyais que c'était en hauteur. Si j'avais su que c'était juste là. Oh, il m'a fait mal l'archer là. Je crois que c'est l'archer hein, qui m'a réduit à zéro de vie d'un coup quoi. Holy shit. Je crois qu'il a pris feu là. Il va péter. Non, il a pas pris feu. Non. Alors les gars, je croyais que vous vouliez me tuer. Non, parce que là, moi, j'ai pas l'impression que vous vouliez me tuer. J'ai l'impression que vous voulez me faire des câlins. Oh. Tiens, c'est rouge. C'était pas vert avant. Je crois qu'en fait, ça dépend tout de comment se passe la mission. Non, c'est parce que dans l'autre zone, c'est rouge, hein, je peux me tromper, mais je me suis baladé. Bon, il y a... Elle est où, le truc qui feule, là? Hé hey. J'ai besoin de toi. Oh, il y a un animal rare à chasser, là. Hop, petite téléportation. Et il n'y a pas de... Genre... Il n'y a pas de magasin ici. T'es sérieux, il n'y a pas de magasin? Monsieur Chiffon, j'ai votre dernier modèle. Mais... Motif léopard. Ne soyez pas vulgaire. Nous ne sommes pas dans les vrais Housewives de Danitesh. Je suis un artiste. Qui a créé le look de l'armée royale, d'après vous? Vous croyez que les superbes costumes de Pagan lui tombent du ciel? Il doit son image à mon talent pour équilibrer la silhouette avec une tenue bien... Merde, fusil d'assaut. Et mon seul remerciement? Un arrêt de mort. Parce qu'il ne supportait pas l'idée que ses vêtements ne soient pas uniques. Alors vous pouvez me croire quand je vous dis que la mode ne se fait pas tout seul et que la peau de léopard est parfaite pour ce vêtement. Surtout s'il est cousu à la main. Ok, ok. Désolé. Merci, Edge. C'est un léopard des neiges ou c'est une panthère nébuleuse, ça? Mine m'a libéré, en un sens. D'ailleurs, royal. Cool. On rêvé de mieux. Mais j'étais enchaîné. Je veux juste compétences. Ah, il faut faire une escorte armée, faut pas que j'oublie ça. C'est la prochaine mission que je vais faire. Une escorte armée. Je crois que ça c'est l'animal rare. Tout, c'était juste.
Bon, j'ai vu une autre panthère s'enfuir là. Il y en a une qui est juste là. Toi, je te lâcherai pour rien. Non, monte, t'es celle qu'il me faut. Non. Ah non, c'est une nébuleuse celle-là. J'arrive pas à voir. Oh, je crois que c'est une nébuleuse ça. J'arrive pas à faire la différence entre les deux encore. Non, c'est la bonne. Bam, du coup. Munitions lourdes. Oh là là. Oh, munitions et munitions lourdes à fond. Et j'ai tout là. Il me reste que des trucs de mission. Oh là 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 là, c'est bon ça. Du coup, j'ai combien? J'ai beaucoup d'argent, ça c'est bien. Alors là, je par contre... Je suis choqué qu'il n'y ait pas de magasin. C'est un bug en fait. Pour quelle raison j'ai plus accès au magasin? En fait, j'ai plus accès au magasin tout court. Oh là là, ça risque d'être emmerdant si j'ai plus accès au magasin tout court. Ah si. Vector, Space 12. Je sais pas ce que c'est. Magnum. Ah ouais. J'en avais besoin de beaucoup des munitions apparemment. Je vais même pas acheter mon Magnum. T'as dit qu'il allait avoir des Magnum. Voilà, le Vector est quand même... Voilà, le Vector fait moins de dégâts. En fait, il a quoi comme avantage? Il a juste une plus grande cadence de tir et une plus grande précision, une meilleure maniabilité. Bon, il a quelques avantages, mais c'est censé être quoi ça? Oh, ça il me le faudra quand j'aurai de l'argent. Du coup, il n'y a pas tant de nouvelles armes que ça en fait. Non mais attendez, il manque quand même des armes, là il manque la MG42 par exemple. Ça c'est clair. Il me manque aussi une mitraillette de poing. Le Desert Eagle je pense qu'il y a aussi. Il y aura encore d'autres trucs qui se débloqueront après je pense. On va faire ce clocher là. Oh non, j'ai oublié, faut que je reprépare mon équipement. Du coup, j'ai aucune idée de combien de munitions j'ai de chaque truc maintenant. 50 en stock. 145. 50. Oh là là, c'est bon ça. Je suis blindé là. En fait, je vais faire plutôt l'entrepôt. En fait, je sais pas. Ah si, faut que je fasse une quête. Si si, j'ai dit que j'allais faire une quête de camion là. C'est là. Alors le problème, c'est que je peux pas. Genre, s'il y en a pas un autre. Une autre de quête de camion. Là, est-ce que je peux me téléporter? Non plus. Mais c'est relou. Là. Ah, c'est toujours à côté des clochers, quoi. Pareil. Ah, là, au clocher. Bon, je vais aller faire ça. Je vais faire la quête du camion. Après, je vais faire l'autre camp. Et je pense que l'épisode s'arrêtera là. J'en ai un peu marre. Il y a plein de gens qui sont en train de rajouter mon dernier tweet à leur favori. C'est cool. C'est cool. Ah, et du coup, ça a pas acheté mes munitions de. D'accord, faut que j'aie des munitions de tout en fait. Parce que là, j'ai pas tout qui est à fond.
Voilà. Le but c'est que je sois pauvre. Ah! Non, je peux pas tout acheter, il manque encore plein de trucs à acheter. Non. C'est horrible, c'est affreux. Alors. Non, alors, on va commencer par faire ça et après on fera le. Mais j'ai tellement de balles, c'est trop bien. Bon, j'ai plus de sous. Je crois que je vais commencer à fouiller, à refouiller les trucs. Peut-être faire quelques missions secondaires dans le prochain épisode. Pour gagner de l'argent là, parce que. Moi, je lance grenade automatique, hein. Je lance grenade automatique, je veux un magnum. Ça va coûter des sous ces conneries, je vous jure. Déjà, on va essayer de se faire ça discret. Et s'il y a une attaque de trucs, je vais la faire. Je crois que ça rapporte de l'argent. Ok, on s'en fout de la discrétion. Merde, alors. Il y a un truc chiant au fait de pouvoir recharger en courant, c'est ça. Moi qui. Ma grande spécialité, c'est d'arrêter de recharger en déclenchant un sprint. Oh merde. Ça a pas pété là. Ça aurait dû. Ça c'est ouf. Je pensais pas avoir. Ouais, t'es sérieux là? Je pensais pas avoir utilisé autant de seringues que ça en fait dernièrement. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'ils disent tous. Oh merde, oh merde, oh merde. Non, putain de muret. Oh, que ça me gonfle. Ah là, je rage là. Elle est discret. Putain. Bon, ça sert à rien de continuer là. Putain, il m'a repéré parce que j'ai voulu prendre la plante quoi, fait chier. Il y a tellement de gens qui sont en train de me retweeter, c'est trop bien.
oh god, non! J'espère que ça compte pas pour le... Non! Va te faire foutre, toi. Mais c'est pas possible. C'est une difficulté de dingue. Ah, mais c'est ouf. Et si t'as pas de bouclier en mode difficile, la deuxième zone, c'est impossible. Pff, on se concentre. Je sais que... J'ai beaucoup tourné aujourd'hui. C'est pas une raison. Voilà, discret. Tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Je vais tout faire au lancer. Non, mais le couteau de lancer, je pense que maintenant ça fait plus de dégâts. Donc je vais tout faire au BZ et au couteau normal. Par contre, ces ennemis-là, je peux pas faire d'élimination spéciale avec. Je ne peux que faire un truc bien gras comme ça. Ça rapporte beaucoup. Ça aussi c'était bien gras. C'était surtout bien timé. Faut que je pense à ramasser les trucs que je vois. Au début je faisais que de ramasser ça, du coup j'avais trop d'argent. Et maintenant j'y pense plus. Ils ont pas vu que j'avais tué le gros sac. Bon, elles sont censées être dangereuses, les abeilles. Pas des masses, hein. Putain, ça avait tellement bien commencé. C'est pour ça que j'ai un fusil d'assaut avec une un silencieux et pas une mitraillette. Mais non, vous serez pas dans 30 secondes. C'est vrai ? Moi non plus. Allez où la voiture? Tiens la voiture! Non, je suis là! Faut impérativement que je le tue. Toi-même! Je lui tire une grenade dans la tête, le mec en a rien à branler quoi. Putain, l'autre il a un... Il a détourné la grenade quoi. J'ai eu la voiture, c'était ce que je visais, mais je voulais qu'elle pète en fait. Je voulais pas que ça se passe comme ça. C'est entre toi et moi. Et c'est moi qui ai le plus gros fusil. Headshot! Bitch! Avec le ralenti sur le... Choum. C'est trop bien. C'est trop bien. Je suis un bolos. Je suis pas un bolos, je suis un balèze, je te dis. Oh. Oh. Animal rare.
On fait l'animal rare, ça améliore encore mon personnage. Bon, du coup, je peux améliorer mes armes ou je peux pas améliorer mes armes? Moi, je peux pas acheter, hein. Brûle, salaud. Alors, on peut pas acheter. Dans la deuxième carte du jeu, on peut pas acheter. Au camp, c'est ouf. Ça va, j'ai pas utilisé trop de munitions, mais c'est quand même ouf. Oh, un loup. J'ai trouvé votre modèle. Comment voulez-vous que je sache quel loup est le chef de meute? J'aimerais être là quand le mâle alpha tuera le loup alpha. Tous les rapports que j'ai lus sur les attaques récentes disent que le chef est reconnaissable du reste de la meute par son poil noir et luisant. Je l'imagine déjà sur vous. Oh, ce sera magnifique. Soyez féroce, EJ. Vous dites ça tout le temps, soyez féroce. Ça veut dire quoi exactement? Pour moi, être féroce, c'est vivre intensément. Ah bah si, je peux faire des achats en fait. Et de chercher la perfection dans tout ce qu'on fait. Mais surtout, d'être libre de s'exprimer au gré de sa fantaisie en se torchant absolument avec ce que pensent les autres. Ça va, je suis féroce alors. C'est quoi comme... Un arc ? Oh putain, c'est pas vrai. Je crois d'utiliser les flèches explosives. Oh. Alors écoutez, là les loups, par contre, ça c'est... Les loups, ça c'est de la chasse qui va être discrète. J'ai pas le droit de rater ma cible. Olé. Raté. Olé. C'est... Soy un americano. Je vais récupérer les pots, je suis sûr que ça se revend cher. Faut que je pense argent. C'est pas compliqué, je fouille les cadavres. Je récupère les pots. En plus là, c'est doublé. Faut que j'y pense à ça, c'est doublé. Regardez, déjà j'ai déjà raté ça. C'est indiqué sur la carte, mais je fais pas moi. C'est là, c'est dans l'eau, regardez. Olé, discret. Regardez, bam, 5300. Et ça c'est sans compter ce que rapporte le moulin à prière. Eh oui. Car c'est pas comme dans Assassin's Creed. Vous savez, dans Assassin's Creed, quand vous ramassez un objet, ça le vend automatiquement. Ça le faisait pas, je crois. Quand ils ont mis en place le système des objets, il fallait les vendre manuellement. C'était super chiant. Je crois que c'était dans le 3. Enfin, j'ai plus. Bref, maintenant, c'est automatique. Ça, ils l'ont pas mis encore en place dans Far Cry. Parce que sinon, c'est pour pas qu'on se balade avec plein de trucs sur nous. C'est comme ça qu'ils voient leur jeu, y'a pas de soucis. Moi, le seul animal qui me manque vraiment... Oh, je l'avais pas vu. Dans Far Cry, c'est les varans de Komodo parce que c'était juste. Lâche-moi. Je te préviens tout de suite. Tu vas me lâcher. Là, je vais pas avoir le temps. Oh, si, j'ai eu le temps. C'était un peu mon animal préféré de. Déjà, c'est un de mes animaux préférés de la vraie vie. Donc, dans Far Cry, forcément, c'est cool. Mais c'est impossible. Il faut me lâcher, mec. Je suis sorti de ton territoire, bordel. Eh, c'est pas la première fois que je tue une bestiole avec la dernière flèche dispo de l'arc, quoi. C'est vraiment pas la dernière fois. Par contre, on n'a pas fini de chasser. Ça, je peux pas le dépecer, ça. Du coup, le diable fou, c'était... Oh, j'ai 4 points. Ah, il faut impérativement que je fasse ça, moi. Bon, du coup, là, hein, si je croise un truc, on s'en branle, on le tue. Voilà, en parlant de trucs. Ah non, mais je peux doubler les flèches, attendez. Je peux doubler les pots. Voilà. Oh, ça fait oui. Là, ça va rapporter gros, ça, quand j'arrive à la maison, là. Je pourrais acheter mon magnum et tout. J'aime le magnum. J'aime me faire ma grosse voix comme ça. Oh, comment je fais ça? Putain, c'est impressionnant. Je m'impressionne moi-même. Oh, je vais faire toute ma vidéo avec cette voix de merde. En plus, ça me fatigue même pas de la faire. Oh là là, c'est fantastique. Je me sens tellement viril. What the fuck is that? Oh là là, ma grosse voix. C'est ma grosse voix d'homme. Mais bah putain. C'est ouf, si j'avais su que je pouvais avoir une voix comme ça. Alors, toi, je te fouille déjà parce que tu m'as perdu mon flingue.
Bon, c'est pas grave. Confection. Oh, c'était le portefeuille, diable fou. Il me reste plus que deux missions. L'ours fantomatique et peau épaisse. Et c'est marrant parce que c'est un peu les deux trucs dont je me fous le plus. Donc ça, ça me va bien. Mais, oh my god. Oh my god. J'ai... Je sais pas ce que je voulais dire. Et voilà, je me disais bien qu'on pouvait... Voilà, vous avez vu, j'ai gagné plein d'argent et là... Bah, petit bijou de technologie. Quoi ? On peut pas mettre un caton long, on est obligé d'avoir un pauvre canon court. Bon, c'est au moins trois fois plus puissant que l'autre. Noir, vert, sauvage, terres arides, rôdeur, or. Oh oui! Oh, je me suis ruiné, mais... Hello! Eh merde, c'est de la merde. Y'a pas de feeling! Ah si, là y'a du feeling, là. Oh là, y'a du feeling, là. Putain, fait chier qu'il n'y ait pas le canon long. Même dans le 3, ils avaient mis un canon, quoi. Oh, ils font chier quand ils s'y mettent. Bon, allez, je vais les aider. Putain, j'ai bouffé toutes mes... Je vais éternuer. Bon. Oh. On va faire ça en fait. On s'arrêtera là pour cet épisode et dans l'épisode prochain je ferai le... Oh, j'ai des douleurs musculaires depuis l'éternuement là. Alors par contre je suis vraiment déçu de l'absence de... De canon long. Parce que alors ça... Putain de chasseur, putain de chasseur. Oh merde. Oh, le rechargement qu'on vise, il est cool. Regardez. Hop. Oh merde, je fais n'importe quoi. Oh merde, mon arc. Non. Mais putain. Pourquoi j'ai encore l'arc? J'ai oublié de reprendre mon... J'ai oublié de reprendre mon pépé. Mon pépé. Mon bison. Oh. Vous me voyez flou là? Et si je refais ça? L'armée royale est en train d'envahir notre avant-poste. Situation critique. Répondez. Répondez vite. C'est toi, répondez vite. Attends, laisse-moi bien viser la tête. Ok. À tout moment, on veut passer de l'un à l'autre. Ça, ça m'a toujours fait rire. Oh putain, mais là, je suis dans la merde. Déjà, je vais viser, ça va être mieux. Bon, on va devoir utiliser l'arme cheatée. Le mec, je vais faire un headshot quand même. Hein. Et ça, c'est beau. Je m'en suis fait, là, en tirant les deux balles. Hein. Limite, je crois que je m'en suis fait un par balle, quoi. Il y en a un, là, je le vois. Je l'ai raté. Oh putain, juste derrière. Mais je suis con. Mon problème, c'est que j'ai un putain d'arc. Et que j'en veux pas un. Voilà, j'en ai plus. Oh, elle est trop bien cette arme. T'inquiète, je crois que moi, je l'ai fait bien souffrir déjà. Oh, le re... Ah, c'est que de l'XP là. Ok. Bon, j'ai fait ça pour rien en fait. J'ai failli tuer le civil, le pauvre. Oh, celui est passé tellement près. Putain, ça me saoule cette histoire. Ah, j'ai plus de sous. Ah, franchement,
l'histoire de pas avoir de, comment dire, de fusil d'assaut sur lequel on peut mettre un truc au canon. Ah, comme ça me gonfle. Franchement, le MP416, en plus, c'est une arme qui est réputée pour être dans des, justement, des unités d'élite et tout. Donc c'est totalement logique qu'elle ait quelque chose qui soit son canon, en fait. Un silencieux, en l'occurrence. Mais non, pas dans le jeu. Et là, par contre, là, ça me chiffonne. Ça rapporte combien? 40 000, mais c'est que dalle, 40 000. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode dans lequel on va débloquer la mission de l'escorte, là, qui va nous rapporter et de l'argent, et bien plus important que de l'argent. Tiens, j'ai du scotch, enfin du Chatterton. Bien plus important que de l'argent, le truc qui va améliorer mes seringues à fond, mes seringues de soins. Parce que là, c'est plus possible. Voilà. Oh, un ours! Fuis pas, c'est que 44 Magnum. J'adore tuer les... Plus j'aime un animal dans la réalité, plus j'aime les tuer dans les jeux vidéo. Et les ours, c'est juste mon animal préféré, donc forcément, les tuer dans un jeu, je kiffe grave, parce que jamais de la vie, je ferai ça dans la vie. Non, mon chéri, mais t'es trop beau. T'es trop beau. Regardez-moi cette bête. Regardez-moi ça. Mais arrête de tourner, toi, crétin. Oh, bah tiens, oh. Oh, on dirait qu'il dort avec les yeux ouverts. Oh, regardez-moi sa petite langue. Regardez-moi ses pattes, t'es trop mignon. Tiens, je te dépèce. Sinon, ma santé mentale, tout va bien. Bon, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite du Let's Play. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut à tous.